dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Christophe a accompli sa mission divine, un corps est retrouvé dans les décombres d'un incendie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 août 2023 dans Ainsi Grand Soleil. Christophe a accompli sa mission divine. Il fait nuit lorsque Christophe enterre le corps de Pedro Morel, l'ex-milicien chilien. Mais pourquoi le vétérinaire l'a-t-il tué? Par le passé, Pedro Morel a torturé des hommes et fait disparaître leur corps à la mer juste parce qu'il s'opposait au dictateur Pinochet. Au total, il a fait 23 victimes. Quand il rentre, Cécile demande à Christophe des nouvelles du père Silvio. Bien qu'il n'en ait aucune, le vétérinaire n'est pas du tout inquiet. En effet, une opération comme la sienne peut durer jusqu'à 8 heures et il a la conviction qu'elle va bien se passer. Le lendemain matin, Madame Morel se rend au commissariat pour signaler la disparition de son mari. Non loin de là, Christophe est à l'église et s'adresse directement à Dieu, « J'ai accompli mon devoir. J'ai débarrassé la terre d'une ordure de plus. J'ai pas tremblé. J'ai pas eu peur parce que je savais que ce que je faisais était juste. À ma petite échelle, j'ai contribué à rendre le monde meilleur et j'en suis très heureux. Fier même. J'ai fait ce que tu attendais de moi. J'ai fait ma part de travail pour contribuer à faire le bien. À ton tour de faire la tienne. Sauve le père Silvio. Donne-lui la force de survivre à sa greffe. À l'hôpital, l'opération du père Silvio s'est bien passée et il a été placé sous coma artificiel le temps que son cœur se stabilise. Tandis que Janet reste à son chevet, Yasmine et David décident de prier pour lui. Dans l'après-midi, Christophe va voir le prêtre. Janet lui annonce alors que ses constantes sont bonnes et qu'il ne montre aucun signe de rejet. Toutefois, elle préfère rester prudente car elle ne saura que dans 15 jours si sa greffe a pris. Le père Silvio est donc loin d'être sorti d'affaire. Malgré tout, Christophe a confiance en l'avenir. Selon lui, le père Silvio a encore de grandes choses à accomplir avant de mourir. En fin de journée, Janet et Clément mangent en tête à tête un plat que le policier a cuisiné. Au cours du dîner, le docteur Lewis ne cesse de parler du père Silvio. Trouvant sa femme très concernée par son patient, Becker ne peut s'empêcher d'être jaloux. Une réaction qui amuse beaucoup Janet qui ne peut s'empêcher de taquiner son mari. Pour se rattraper, elle l'invite à passer un week-end à Collioure en amoureux. Un cadavre est retrouvé dans les décombres d'un incendie chez elle. Cosmétique, Elisabeth remercie Léonore d'avoir parlé à son fils. Cette dernière lui sourit puis retourne travailler sans vraiment lui adresser la parole. Dans la foulée, Elisabeth reçoit un appel de François Lemire qui l'informe qu'un incendie s'est déclaré sur le chantier la nuit dernière. Pendant ce temps, Louis et Kira avaient prévu de passer l'après-midi ensemble. Malheureusement, le fils Moore doit travailler au club de tennis. Cependant, Louis a la tête ailleurs. En effet, l'adolescent n'a pas dormi de la nuit car il regrette d'avoir été obligé d'annuler la manifestation. Kira lui rappelle donc qu'il a fait cela pour sa mère puis lui propose d'aller au cinéma ce soir pour se changer les idées. Ce qu'il accepte. Sur le chantier, les pompiers terminent d'éteindre l'incendie.
La police de Montpellier a quant à elle été dépêchée sur place. Chargée de l'enquête, Liane interroge l'agent de sécurité présent sur place. Ce dernier indique alors n'avoir rien vu de suspect pendant sa ronde. Milo Pelletier pense quant à lui que l'incendie n'est pas accidentel. Quelques instants plus tard, un corps brûlé est retrouvé dans les décombres. Par la suite, Liane informe le commissaire Becker que c'est un briquet qui a provoqué l'incendie sur le chantier. Il est donc d'origine criminelle. Concernant le corps, le médecin légiste n'a pas encore pu l'identifier. Cependant, une chose est certaine, c'est qu'il ne s'agit pas d'un ouvrier puisqu'aucun ne manque à l'appel. En fin de journée, Alain et Elisabeth dînent au restaurant. Seulement, la femme d'affaires ne peut pas s'empêcher de se sentir responsable de ce qui est arrivé sur le chantier. Alain a beau lui rappeler que ce n'est pas de sa faute, tout comme avec l'histoire de cet homme qui s'est fait tuer lors de l'expulsion, Elisabeth trouve que cela commence à faire beaucoup de morts en peu de temps. Elle en vient même à penser qu'elle a la poisse depuis qu'elle a investi dans cette foncière. Lorsqu'Alain lui conseille de se retirer de la société, Elisabeth répond qu'elle ne peut pas car elle a mis beaucoup d'argent. La nuit tombée, Claudine et François débarquent au commissariat et dénoncent Louis. En effet, l'avocate et l'homme d'affaires sont convaincus qu'il est responsable de l'incendie criminel qui a détruit leur chantier. Love just happened.